Salut tout le monde, c'est Colibri et on se retrouve pour le quatrième épisode de cette série sur Cuphead 1. On va commencer avec le dernier boss de l'île Aquarelle 3. Mais avant ça, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont regardé toutes mes vidéos sur Cuphead. C'est vraiment génial de votre part. Et j'y ai passé beaucoup de temps à affronter tous ces boss. Et on arrive au bout. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce. Sur ce, sans plus tarder, commençons. Maintenant qu'on a vaincu tous les boss de cette troisième île, on va pouvoir rentrer dans l'enfer aquarelle, où se trouve notre prochain ennemi, le roi des dés, en personne. Et ce boss est vraiment très différent des autres, mais vraiment beaucoup. Je vais vous le décrire en détail, d'ailleurs la description va peut-être durer plus longtemps que le combat en lui-même, mais bon, j'ai bien envie de vous expliquer. Donc premièrement, il nous laisse apparaître un dé. Où on peut faire 1, 2 ou 3. Et ces dés-là vont nous mener à des boss, plutôt des mini-boss d'ailleurs. Et il va falloir qu'on les vainc. Et ce, en perdant le moins d'HP possible, parce qu'il va falloir arriver à la fin. Il y a beaucoup de cases différentes, et sur chaque numéro, il y a un boss. On peut également gagner un cœur en tombant sur quelques cases où il y a des boss. Il y a des zones safe et il y a l'avant-dernière qui est le start over, donc recommencer depuis le début. Donc ouais, c'est bien relou, parfois. Du coup, je vais vous décrire chacun des mini-boss, comme les trois verts que vous avez vus plus tôt, qui est la case numéro 1. La case numéro 2, c'est ce truc. Il avance verticalement et c'est assez imprévisible parfois, donc faut quand même faire gaffe, mais ça passe. Celui-là, il paraît compliqué au début, mais une fois qu'on a saisi ses patterns, ça passe aussi, franchement. Les trois premiers boss sont assez faciles, une fois qu'on les a maîtrisés.
Celui-là, ben, le sol bouge. On doit s'adapter. Parfois, il va cracher des choses sur nous. Celui-là, ça passe aussi. Donc voici le boss numéro 5. Celui-là, je le déteste. Je trouve vraiment que c'est le pire. Même à ce jour, je sais pas trop comment esquiver une de ces attaques. Le boss numéro 6, pour moi, c'est sans doute un des plus faciles, si ce n'est le plus facile. Faut quand même faire gaffe au cavalier bleu qui lance des fantômes. Mais à part ça, ça va. Le boss numéro 7 est un peu compliqué quand on comprend pas trop ce qu'elle fait, mais une fois qu'on a saisi, ça va. Et j'aimerais vraiment tomber sur lui. Le boss numéro 8, c'est la boule de billard. Là, c'est vraiment, mais giga simple, honnêtement. Donc, à part le lapin, les boss me font pas trop galérer. Ça va. Mais faut quand même plusieurs essais avant de bien maîtriser le truc. Malheureusement, j'ai jamais affronté le boss numéro 9, donc je pourrais pas vous le montrer. Et ça, c'est l'exemple d'une run où je suis tombé sur Start Over. Donc j'ai recommencé depuis le début. Et j'ai perdu. C'est bien relou. Vraiment. Mais à force de réessayer, j'ai réussi à obtenir le scénario idéal. Un giga choker. Ok, ça m'arrange pas mal pour le coup. Si je pourrais faire un 3, ce serait parfait. Comment ça? Oh là là, j'ai trop de chance. J'ai eu tous les cœurs en plus. Manquerait plus que je fasse deux fois deux. Ok, j'ai mon super en plus. Si j'affronte le roi des dés maintenant, ça peut le faire. 4 HP, j'ai mon super. Ouais, y a moyen. Faudrait que je l'affronte maintenant. Oh, si je suis un 2 ou un 3, j'ai vraiment eu de la chance jusqu'au bout. Oh, mais j'ai eu trop de chance.
j'ai eu trop de chance. Hein. Enfin, en vrai, le fight de cartes sur la fin, c'était un peu mérité quand même. Mais bon, il fallait arriver jusqu'à la fin avec autant d'HP. Ça, c'est pas facile du tout. Maintenant, j'ai eu beaucoup de chance. Et maintenant, je crois qu'il ne me reste qu'un seul ennemi à vaincre. Et c'est bien évidemment le diable en personne. J'ai pas du tout changé les armes. Je connais pas du tout les attaques. Et on y est, le dernier obstacle. Le diable en personne. Le boss est en soi pas si dur que ça. Simplement, il faut s'adapter, et surtout, les petits diablotins qui arrivent par en dessous sont vraiment relous s'ils arrivent au mauvais moment. Et dans un jeu où t'as que 3 HP, faire des erreurs bêtes, eh ben, ça peut coûter très cher. Et si tu fais pas vraiment attention à tout ce qui peut arriver, ben, tu peux très vite bien galérer. Et honnêtement, ça m'a pris plusieurs essais à le vaincre. Et quand même, plus que ce que je m'attendais. Mais bon, après tout, c'est le dernier boss de Cuphead. Donc voici comment j'ai réussi et j'ai fini Cuphead.
comme vous l'avez vu, après avoir vaincu le diable, j'ai rassemblé tous les monstres et on a fêté ça ensemble. Mais si j'avais choisi l'autre option, rappelez-vous. Cuphead, une fois de plus, m'aura appris de grandes valeurs, comme Sans et comme Jibil. Les boss, je les avais déjà faits, j'avais déjà abandonné beaucoup plus tôt, il y a quelques mois, si ce n'est plus d'une année maintenant. Et je suis revenu dessus, et je l'ai fait, à force de réessayer encore et encore. Une détermination que j'ai développée, franchement, avec tous ces défis du Hard Challenge. Et maintenant qu'on a terminé Cuphead, j'ai relevé tous les défis initiaux du Hard Challenge. Revenir sur des jeux ou des boss que j'avais abandonnés pour leur difficulté. Mais j'ai la joie de vous dire que ce challenge n'est pas fini, car cette fin marque un nouveau début. Et avant de vous annoncer le prochain jeu, je vais vous donner du contexte. Pour Noël de l'année dernière, en me baladant dans les magasins, je suis tombé sur un jeu. Et j'en avais pas mal entendu parler, alors je me suis dit que pourquoi pas. En revanche, peu après avoir commencé à y jouer, j'ai eu l'idée du Hard Challenge avant de continuer le jeu. Et vous le savez avec Undertale, mais je me suis mis sérieusement à ce challenge plus tard que prévu. J'avais donc délaissé ce jeu pendant bien trop longtemps. Et vous le comprenez sûrement, mais s'il fait partie du Hard Challenge, ce jeu est difficile. Et maintenant que j'ai acquis tant d'expérience, je crois qu'il est temps. Alors pour la fin, je vais vous laisser avec une vidéo de présentation, juste après l'outro. Donc salut les gars, c'était Colibri, et la prochaine fois, on se retrouve sur le jeu le plus acclamé de 2022, Elden Ring. The Tarnished will soon return, guided by grace once lost. The Golden Order is broken to its core. The Elden Ring, emboldened by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die. Lord, I command thee, kneel!